Midi 13h, Club Musique sur Bel RTL. Thomas Simonis. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Bel RTL, Club Musique spécial aujourd'hui avec un invité de marque et qui connaît le répertoire que nous allons aborder, c'est Vincent Niclot. Bonjour Vincent. Bonjour. Spécial Pavarotti and Friends aujourd'hui puisqu'il y a quelques semaines, eh bien, ça faisait 10 ans que Luciano Pavarotti avait quitté les planches et définitivement encore bien. Et donc on avait envie de se replonger dans ce répertoire de Pavarotti and Friends qui, quelque part, rejoint bien ton univers, d'une certaine manière. C'est ce mélange musique classique et pop dans lequel tu évolues comme un poisson dans l'eau. Alors, je sais pas, c'est gentil, merci, mais en tout cas, oui, c'est un des précurseurs, en fait, de ce style un peu pop-opéra, crossover. C'est vrai qu'il a, avec son Pavarotti and Friends, il a donné un souffle nouveau à l'opéra, c'est-à-dire qu'il a intéressé des gens qui étaient pas finalement prédisposés à écouter de l'opéra. Il a donné ce côté pop à l'opéra, et c'est vrai qu'il a démocratisé l'opéra. Et il a rendu cela beaucoup plus populaire. Et c'est ça, on peut le remercier pour ça. Il a eu toutes les plus grandes stars de la planète dans ses albums Pavarotti and Friends. Et puis oui, c'est quand même le grand patron de l'opéra. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas été remplacé. Et c'est vraiment quelqu'un qui était charismatique. On va écouter ce répertoire justement, en tout cas en partie de Pavarotti and Friends, jusque 13h sur Bel RTL. Et on va rentrer dans le vif du sujet avec un classique qui est Caruso. Alors moi, je pensais que c'était un air d'opéra en fait. Mais à la base, c'est Lucio Dalla donc qui chantait ce titre. C'était presque une chanson pop quelque part. Oui, c'était ça. Dans la grande tradition. C'est vrai que ce titre, il a été repris maintes fois parce que, eh bien, on peut aussi le chanter d'une façon opératique. Mm-hmm. Et c'est ça qui lui donne aussi un autre charme, on va dire. C'est une mélodie inoubliable que vous allez certainement fredonner à la maison. Voici Luciano Pavarotti et Lucio Dalla avec Caruso sur Bel RTL. Thomas Simonis. Midi 13h, Club Musique sur Bel RTL. Dove il mare luccica e tira forte il vento, sulla vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il pianto. In mezzo al mare penso le notti là in America, ma erano solo lampare e la bianca scia di un'elica. Sentì il dolore della musica, si alzò dal piano forte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola gli sembrò più dolce anche l'amore. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare, poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare. Te voglio. Sangue arriva.
potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, e con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini e fermi, ti fai scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un elica. Sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. E voglio bene. Enregistré donc à Modène en public en 1992 sur cette place de Modène où avait lieu chaque année ou presque entre 92 et 2000 quelque part par là ces spectacles qui étaient caritatifs, rappelons-le, de oui. Luciano Pavarotti et qui arrivaient à faire venir les plus grandes stars pour l'événement. Est-ce que c'est un événement qui toi te marquait quoi, à l'époque tu étais tout jeune et tu ne savais probablement pas encore que tu allais chanter. Mais moi il m'a marqué pour deux choses Pavarotti, pour ça évidemment parce que il a invité les plus grande star à chanter, c'était l'événement. Et puis surtout parce que moi, j'étais pas finalement prédestiné à faire de l'opéra. Au départ, mon père est chanteur, mais il chantait de la pop. Et donc, un jour, j'ai entendu Pavarotti à la radio et ça m'a transpercé complètement. J'en ai même chialé. Ah ouais? J'ai pas honte de le dire. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce pouvoir qu'on peut avoir de transpercer comme ça l'émotionnel d'une personne? Et j'ai dit, mais moi, j'adorerais pouvoir faire ça. Donc, j'ai travaillé avec un professeur de l'opéra de Paris. Et le jour, il m'a dit que j'étais capable d'aller dans ce registre, c'était le plus beau jour de ma vie en fait. Il fallait quand même déjà avoir c'est pas que du travail, il y a un don au départ pour chanter comme ça, il y a un organe. Alors, si je puis dire. Je pense qu'il faut quand même avoir, peut-être des cordes vocales qui sont différentes. Mm-hmm. Mais après, c'est quand même énormément de travail. Hein. Mm-hmm. Je dois dire que tous ces gens qui viennent de l'opéra vous le diront, c'est une vie qui est dédiée à ça. Mm-hmm. C'est vraiment un rythme de vie. Oui, il y a une hygiène de vie aussi qu'il faut sur respecter. La musique, c'est des heures de vocalise par jour. Vous savez, les cordes vocales sont des muscles, donc il faut travailler. C'est comme un athlète de haut niveau. Quand on prépare le marathon, on s'y prend pas la veille. Donc quand on va préparer un opéra, c'est pareil. C'est des années, des années, des années, des années d'entraînement. Vincent Niclot est notre invité dans ce club musique exceptionnel consacré donc à Pavarotti, Luciano Pavarotti and Friends. Ce répertoire qu'on va continuer à redécouvrir dans quelques instants sur Bel Air TL avec un autre classique dont on parlera, c'est Au Sole Mio. Giornato sole,
quasi una malinconia sotto finestra poi arrestaria quando fa notte o sole se ne scende. Bryan Adams, le rocker canadien qui accompagne Luciano Pavarotti sur ce titre, c'est plutôt surprenant. Et l'association et le choix de ce titre au Sole Mio pour un artiste comme Bryan Adams, il pouvait tout se permettre, Luciano Pavarotti, il pouvait tout demander. Oh oui, je pense. Je pense qu'on dit pas non à Luciano Pavarotti. Mm-hmm. Enfin, je me demande même, je crois que personne, en passant de U2 à personne n'a osé dire non. Et c'est bien en fait de sortir un peu du cadre pour Bryan Adams. Et lui, il a dû aimer ça aussi. Alors c'est vrai que parfois c'était Pavarotti qui sortait du cadre, c'est-à-dire qu'il allait sur un registre pop, il n'avait pas l'habitude de chanter. Et là, c'est plutôt l'inverse. Donc tant mieux, parce que c'est surprenant. Ce qui est intéressant dans ce Pavarotti and Friends, c'est que justement, c'est l'un ou l'autre qui sort de ses gonds, qui sort du cadre et qui propose quelque chose de radicalement différent. Au Sole Mio, c'est un titre évidemment incontournable du répertoire. Tu la chantes également sur scène. Oui, comme Caruso, ce sont des titres intemporels qui resteront, qui vont traverser les époques. Et oui, et puis c'est au Sole Mio, c'est quand même dans mon spectacle, ça fait partie un peu du clou, c'est-à-dire que on attend la note tenue un peu comme dans All by Myself. C'est cette note qui finit pas. Donc il faut à un moment les gens adorent ça et applaudissent comme un peu le torero dans l'arène. Ouais, ça c'est le côté vraiment performance. Oui, c'est ça. Qui dépasse parfois l'émotion évidemment, enfin qui intervient aussi dans le processus émotionnel. C'est ça. C'est bien formulé. Allez, dans quelques instants on continue avec ce répertoire, on sera en 1996, Luciano Pavarotti évidemment et Liza Minnelli, une autre légende de la musique dont on parlera évidemment. Start spreading the news, I'm leaving today. Wanna be a part of it, New York, New York. These vagabond shoes are longing to strive and step around the heart of it, New York. Ciao.
start of it in old New York. If I can make it there, I'd make it anywhere. Come on. New York, New York, Theme from New York, New York, Liza Minnelli, c'est l'interprète originale de ce titre ou c'est Frank Sinatra qui l'a chanté en premier au fond ? Oh, bonne question, mais je crois savoir que, je voudrais pas dire de bêtises, mais je pense que c'est elle. Pff, là c'est Broadway, oh c'est là aussi... Là, bah, alors elle date vraiment l'icône, hein, l'icône de Broadway, l'icône de Hollywood, vraiment tout ce que peut faire comme spectacle, paillettes et strass, et ouais, elle représente tout ça. J'ai eu la chance moi de la voir à l'Opéra Garnier pour une soirée caritative, en spectacle, c'est, j'ai compris ce soir-là. Qui était Liza Minnelli, il faut la voir sur scène, c'est fabuleux, c'est la scène, c'est son domaine quoi, c'est elle est chez elle fait ce qu'elle veut, elle est naturelle, elle embarque tout le monde, elle est charismatique, elle danse, elle chante à merveille, c'est fabuleux. Qu'est-ce qu'on a à apprendre d'une artiste comme ça quand on est un jeune chanteur, parce que je pense que quand tout. Tu l'as vu tu débutais tout. On a tout à apprendre. Moi je buvais vraiment j'étais comme une éponge. J'aime aller en spectacle justement pour ça, parce que je crois que quel que soit son domaine et quel que soit l'artiste, moi je vais voir des spectacles très différents parce que justement je m'imprègne beaucoup de ça, et parfois on peut avoir des idées, des lumières ou parfois un aspect scénique et on se dit ah ça c'est formidable et ça je le verrais bien dans ma chanson, ça voilà, donc c'est formidable. Mais chez Liza Minnelli, il n'y a rien à jeter, c'est que du pur, du 100%. Une autre artiste que tu connais bien là pour le coup et qu'on va écouter dans un instant, toujours en duo avec Luciano Pavarotti évidemment à l'occasion de cet anniversaire en 2017, ça faisait 10 ans que Pavarotti avait tiré sa révérence et ça nous a donné envie de reparcourir ces Pavarotti and Friends qui en plus étaient consacrés à des œuvres caritatives. Donc derrière l'aspect évidemment très qualitatif artistiquement, il y avait une visée humanitaire qui nous plaît bien sûr. Céline Dion, qu'on va retrouver dans un instant. L'histoire avec elle est magnifique aussi pour toi. Oui, c'est comme un conte de fées, c'est-à-dire faut remettre un peu dans le contexte. Ouais, hein, voilà. Il y a encore 5 ans, si on m'avait dit que j'allais ne serait-ce que la rencontrer et travailler avec elle, j'aurais éclaté de rire. Donc c'est vrai que c'est fou la vie, mais comme quoi il faut croire en ses rêves. Moi c'est vrai que je me souviendrai toujours de cette soirée du 24 novembre 2012 où on me demande de reprendre All By Myself devant elle. Il faut vraiment être fou et culotté, je pense que je suis les deux. et je me suis dit mais où ça va me être un tremplin, où ça va, où je vais m'écraser complètement. Et j'ai pris le risque et ça a été payant, puisque ce soir-là, il y avait encore son mari qui était là, René Angélil, et ils ont beaucoup aimé ce que j'ai fait. Et puis mon améno leur a plu aussi. Et du coup, j'ai entendu dans les bruits de couloir qu'il pensait à moi pour sa première partie, pour 2 shows à Anvers et 8 shows à Bercy, à Paris. C'est pas possible. Donc j'ai mis ça de côté, je disais c'est pas possible. Et puis finalement, j'ai reçu un coup de fil et je l'ai fait. Et c'était formidable. Et c'est vrai que depuis, avec Céline Dion, elle est très bienveillante en ce qui me concerne. À chaque fois que je la rencontre, c'est comme si, je sais pas, c'est comme si on s'était peut-être connus avant, j'en sais rien, il y a quelque chose. Et elle est en fait très naturelle. On a fait pas mal d'émissions de télévision ensemble, on a eu des faux rires. Et puis, je disais, pour ma première télé en Angleterre, elle m'a fait un message vidéo. Enfin, je veux dire, elle n'est pas obligée de faire tout ça. Vous savez, c'est Céline Dion, elle s'en fiche finalement de moi et non, bah non. Elle est très généreuse en fait et voilà, et c'est toujours un plaisir de la voir. Et puis aujourd'hui elle est passée à l'état d'icône, hein, presque de légende je dirais, vivante. Ouais, c'est vrai, des grands artistes il y en avait chaque année ou presque entre 1992 et 2000 sur la grande place de Modène à l'invitation de Luciano Pavarotti pour les spectacles Pavarotti and Friends. C'était vraiment des rendez-vous dans l'agenda artistique à cette époque-là. On va les écouter tous les deux dans un duo qui s'appelle I Hate You, Then I Love You. I'd like to run away from you, but if I were to leave you, I would
die. I'd like to break the chains you put around me, and yet I'll never try. No matter what you do, you drive me crazy. I'd rather be alone. My life would be so empty as soon as you have gone. Impossible to live with you, but I could never live without you. For whatever. Un titre qui figurait initialement sur l'album Let's Talk About Love de Céline Dion sur Bel Air TL, c'était I Hate You Then I Love You en duo bien sûr avec Luciano Pavarotti dans le cadre de cet anniversaire de Pavarotti and Friends. Vincent Niclot est toujours avec nous, on se retrouve dans quelques instants, il y aura encore du Lionel Richie, U2 et puis Eurythmics dans la programmation de ce club musique exceptionnel jusque 13h sur Bel Air TL. Is filled with thunder
and the winds are storming above. Deep within the night we wonder if we've lost the magic of love. But there's something inside us that looks to the sun. We dream that this light will guide us with love for everyone. When the birds of war are flying and the clouds are heavy with rain, seems a thought the sky are crying, and we feel the colder tears of rain. Skies are peaceful above. Bring the beautiful ones again. We know the wonder of the magic power of love. The Magic of Love, Luciano Pavarotti et Lionel Richie en 1999 sur la place de Modène dans le cadre de Pavarotti and Friends. Luciano Pavarotti, Vincent Niclot, tu as chanté virtuellement avec lui. Oui, c'est vrai, j'ai pas eu la chance malheureusement de le croiser. J'étais pas encore connu du grand public, mais pour une émission de télé, j'ai fait un duo virtuel, c'est-à-dire qu'ils ont pris une doubleur et ensuite ils ont rajouté, enfin, c'est très 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 bien fait, ce qui fait qu'à l'image, on a vraiment l'impression qu'il est sur le plateau. J'ai chanté Funicoli, Funicoli Nicolas avec lui, mm-hmm. Et c'est vrai que ça reste pour moi un souvenir merveilleux, parce que c'est un peu celui qui a été le déclencheur de tout ce qui s'est passé. Il y a un côté intimidant,
de chanter comme ça, même avec une image. Oui, alors vous savez, c'était son sosie mondial, donc qui était sur le plateau, donc c'était déjà très impressionnant. Ah, parce oui, que, ah oui, il ressemble vraiment. Il a la même corpulence, même taille, la barbe, enfin vraiment pareil, quoi. Donc au final, parfois je me disais, ah mais c'est pas lui, voilà, c'est très 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 bizarre. Et oui, c'était très impressionnant, franchement, de voir les images, surtout, c'était très impressionnant pour moi, très émouvant. Ouais, je veux bien croire. Par contre, tu as chanté avec Placido Domingo. Oui, c'est vrai. Aussi, les trois ténors. Grande, grande voix, oui. Les trois ténors, ils ont fait un spectacle avec Carrera. Oui, c'est un monstre. Je dirais que c'est lui qui reste avec Carreras aussi de vivant et très impressionnant, Placido Domingo. Mais un tel, tellement gentil, tellement accessible que finalement il vous met tout de suite à l'aise. Et oui, c'est un peu, je dirais, la marque des grands. C'est, j'en ai croisé quand même pas mal. J'ai eu cette chance et je me dis que oui, tous les grandes stars, finalement, elles sont super accessibles et super sympas. Merci pour ce témoignage, Vincent Niclot, qui est donc notre invité dans Club Musique jusqu'à 13h. On va écouter dans quelques instants un duo. Alors, je n'ai pas pris la version qui était enregistrée à Modène, mais la version studio de la rencontre entre Luciano Pavarotti et U2. C'est Miss Sarajevo. C'est une sublime chanson. Et oui, là, vraiment, l'intégration du classique, ah bah là, oui, son arrivée dans le morceau, c'est saisissant. Oui, c'est ça qui est fabuleux dans ce projet. C'est-à-dire que vraiment, c'est deux univers qui se rencontrent complètement, mais chacun se met au service de l'autre. Et c'est ça qui est formidable. Is there a time for keeping the distance? The time to turn your eyes away? Is there a time for keeping your head down? Forgetting all of your day? Is there a time for cool and lipstick? A time. Time for high street shopping to find the right dress to wear. Is she coming? Ooh, it's still around. Is she coming to take a crown? Is there a time to run for cover? A time for kiss and tell? Is there a time for different colors, different names you find it hard to spell? Is there a time for first communion? A time for E17? Is there a time to turn to Mecca? Is there time to be a beauty queen? Is she comes? Ooh, ooh. Beauty plays the clown. Is she comes? Surya in her crown.
Il y avait tout d'abord Miss Sarajevo par Luciano Pavarotti et U2, et puis à l'instant le duo avec Eurythmics enregistré sur la place de Modène à l'occasion du Pavarotti and Friends 2000. C'était ce classique du répertoire du groupe anglais There Must Be an Angel. Sublimissime. Évidemment, Annie Lennox, grande voix aussi. Oh là là, magnifique. Impeccable physique aussi. Oui, absolument. On va certainement se revoir en 2018 parce que je pense que tu bosses sur un beau projet. Est-ce qu'on peut déjà en dire un tout petit mot? Oui, bien sûr, parce que ça y est, on est déjà en 2018, on est déjà en janvier, je peux vous le dire, puisque ça va, le premier single va sortir certainement dans les mois qui arrivent, avec un album pour l'automne. Oui, c'est un nouveau projet qui va s'appeler Tango. Et donc, comme vous l'aurez compris, je reprends des grands airs de tango, mais à ma façon, c'est-à-dire ils sont un petit peu retravaillés, mm-hmm. avec une jeune équipe qui font les sons d'aujourd'hui. Et puis, il y a des créations autour de ça. Donc voilà, c'est un album qui va, où on va danser. Ah oui, qui rejoint ton autre passion qui est la danse. Oui, c'est vrai, j'aime bien ça. Depuis Danse avec les Stars, c'est vrai que j'y ai pris goût. Mm-hmm. Et là, encore plus, que je trouve que le tango, c'est tellement la danse de l'amour, quoi, la sensualité. Et donc, c'est très intéressant. Ah ben, effectivement. Autant chanter des choses un peu sensuelles. Je mélange donc à ce registre ma voix un peu classique à certains endroits. Et c'est ça qui va en faire peut-être quelque chose de particulier. On a hâte de découvrir ça donc à l'automne, un album intitulé Tango de Vincent Niclot. Merci pour cette info et on attend le premier single bien sûr dans les semaines à venir avec beaucoup de plaisir. Passe une très belle journée. De même. Et merci à vous de nous avoir suivis sur Bell RTL. Bonne journée et à très bientôt.